Alors Jacqueline, l'histoire du film est assez déstabilisante, prenant tout à coup un virage inattendu et sombre. D'où vous est venue l'idée du scénario? The film's story is unsettling. It's suddenly taking a dark turn and quite unexpected. Where did you get the idea for the script? Initially, I wrote the script from the point of view of the mother, and it was a totally different film. And then it wasn't really working, and I put it in the perspective of the little girl, and then the whole story on its own sort of told itself. En fait, au départ, une des premières idées que j'ai eues, le premier scénario que j'ai écrit, nous dit Jacqueline Froelich, c'était une histoire finalement un peu identique, mais filmée du point de vue de la mère. Et le film était évidemment complètement différent. Et quelque part, nous dit-elle, j'avais l'impression que ça ne fonctionnait pas. Aussi, j'ai décidé de réécrire l'histoire, mais cette fois-ci, depuis les yeux, depuis le point de vue de la fille, de la petite fille. Et là, ça a vraiment été quelque chose qui m'a tout à coup intéressé. Parlons du casting, à commencer par la jeune comédienne principale, Chloé Guidry, mais également de Jess Feixler, Will Brighton, ou Jessica Sula. Où est-ce que vous avez trouvé vos comédiens? Let's talk about the cast, of course, starting with a young lead actress, but everybody else as well. Where did you find them? The lead actress was the first. We had a casting director, and the lead actress, I mean, the little girl, Chloe. Chloé Guidry, who's, I think everyone will agree, is brilliant in this. She was the first actress I saw, but she was, because of our budget, we really couldn't use it because she lived elsewhere, and we had to get actors who were from LA, because that's where we shot. But in the end, she was undeniable. From LA, right? Yeah, we had to usually get actors from LA, but she was so undeniable that in the end we had no choice but to sort of go with her. And then the other actors, of course, almost the same way. We saw other people for every role, but they were each just undeniable. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, on a fait un casting pour chaque comédien, mais quelque part, elle a trouvé les bons comédiens pour les bons rôles très très vite. C'est ce qui s'est passé notamment avec cette jeune comédienne principale, Chloé Guidry. C'est la première fois qu'elle joue quoi que ce soit à l'écran. Elle est très jeune et elle n'est pas de Los Angeles. Et c'est vrai que quand on fait un film comme ça, une production américaine à Los Angeles, il est quand même préférable pour plein de d'utiliser des comédiens du coin, mais en l'occurrence, non, elle n'était pas de Los Angeles, mais peu importe, parce que vraiment, quand elle l'a vu dans ses essais, quand elle l'a rencontré, s'est dit voilà, c'est vraiment elle qui pourra interpréter le rôle principal, et c'est également un peu de cette manière-là que ça s'est passé finalement pour tous les autres comédiens, toutes les autres comédiennes du film. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de filmer presque toute l'histoire en mode caméra au point, à la manière d'un documentaire? Comment s'est déroulé le tournage avec Ben Harwick à la caméra? Why did you choose to film most of the story in handheld camera mode, like a documentary? What was it like to shoot with Ben Harwick on the camera? Yeah, I think that was a very important part of telling the story. Especially because you had to feel like it was happening in real time in order to really buy into what was happening. And sort of having the handheld camera put us immediately in the action. And I think also the part that was really important was to feel the perspective of the little girl. Usually when people photograph children, it's from the outside. And I wanted to bring in that perspective and to go through the journey of what it is to be a child. Oui, c'était pour nous quelque chose d'assez important dans la narration du film. L'aspect que l'on voulait donner au film, à l'histoire, c'était important de donner l'impression au spectateur que tout ce qui est en train d'arriver devant ses yeux est en train d'arriver en ce moment même, pas de faire trop d'ellipses, pas faire trop de coupes et pas faire trop de plans statiques. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression, bah oui, c'est un peu comme un reportage, qu'on est en train de suivre une action qui est en train de se dérouler en temps réel. Et c'est le meilleur moyen
d'avoir cette impression, c'était effectivement de filmer avec des caméras, mais également de filmer avec des caméras à hauteur d'œil de la jeune fille, de l'adolescente du film, pour avoir vraiment, pour voir cette histoire de son propre point de vue, en tout cas pour adopter sa perspective sur les événements qui sont en train de se dérouler. Alors, Jacqueline, c'est votre premier film de long métrage. Vous avez fait plusieurs courts-métrages, Félix, Story of Brothers, Love and Other Delusions. En quoi le passage au long s'est-il différencié, dans votre cas, du court-métrage? This is your first feature film after several shorts, which I cited earlier. How does the transition to feature film differ from shooting short? Yeah, it is completely different. Making a feature film is not for the faint of heart. I think just the length of it really wears on you as a director. You know, you start out thinking it's going to be easy and it isn't. The things that you think are difficult are easy, and the things you think are going to be easy are hard. But I think in the end it is such a worthy endeavor, and one that I can't wait to go into again. My next film. Are you actually planning on one at the moment? Excuse me. Are you actually planning on doing it? Yes, I have. I'm planning on it. Do you want to talk about it? It's a love story. Yes, I will leave it there. Sure. Yes. Oui, donc non, évidemment, comme on pouvait s'y attendre, le passage du court au long est forcément compliqué parce que ça tombe sous le sens, mais parce que le long est plus long. Et ce qu'elle nous dit, la durée de tournage, la durée de préparation, la durée, toute cette durée, tout ce temps, c'est quelque chose qui repose de manière assez lourde sur les épaules de la réalisatrice. Et elle ne s'y attendait pas, à vrai dire. Elle a été surprise parce qu'elle nous dit, il y avait certaines choses, quand j'ai fait les cours, je me suis dit, le jour où je vais faire le long, ça va être facile, et puis ça va être difficile. En fait, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Lors de son expérience, elle s'est rendue compte que la majorité des choses qu'elle envisageait comme facile étaient finalement beaucoup plus difficiles, et vice-versa. Mais elle nous dit que c'est quand même quelque chose, encore une fois, une expérience difficile, compliquée, mais que là, tout de suite, elle n'a qu'une idée, c'est de s'y remettre très vite et de refaire un autre film le plus rapidement possible. Je lui ai demandé si elle avait déjà des idées. Oui, elle a déjà des idées, mais elle n'en dira pas plus. Votre film parle finalement beaucoup du syndrome de Stockholm. Il y a beaucoup de moments où Cléo peut facilement demander de l'aide, s'enfuir, mais elle ne le fait pas. Et qu'est-ce que je voudrais savoir, quel est votre point de vue là-dessus? In the end, your film is very much about Stockholm syndrome. There are many moments where Cléo could easily ask for help, easily run away, but she doesn't. What is your take on this, and maybe you can talk about it? Yeah, I think I was really interested in the theme of, you know, eventually what happens. This little girl is really feeling so neglected that when someone gives her some love and affection, she ends up wanting to go with them. And I think it's what happens a lot with runaways now in the US and in other places, that when girls are shown affection, you know, they will give anything for it. And so that was something that was really interesting to me. I know that in the US, if you go to a lot of shelters, you will notice that a lot of shelters are full of homeless teenagers, and it'll break your heart. And part of it is just neglect, you know, not feeling like you belong or like you're loved. And then when someone showed her attention, it felt like it was everything for her. Oui, en fait, elle nous dit que... Encore avec le « en fait », faut vraiment que j'arrête. Elle nous dit que la petite fille, donc l'adolescente dans le film, Cléo, elle est négligée, on ne s'occupe pas d'elle. Et pour elle, le cœur du problème, c'est ça. C'est tout simplement le fait que... Le problème, c'est qu'il y a énormément d'enfants, d'adolescents, aux États-Unis en tout cas, qui ont besoin d'attention, mais qui ont un besoin viscéral d'attention, d'affection, de chaleur, et qui ne rencontrent pas cette affection. Et elle nous dit que bien souvent, ces adolescents, ces adolescentes, eh bien, elles s'enfuient, et ça arrive beaucoup. Aux États-Unis, elle a visité des endroits, shelter, la traduction c'est refuge, mais je ne sais plus exactement comment on dit en français, les endroits où les personnes, les sans domicile fixe vont pour avoir un logis temporaire. Elle a été dans ce genre d'endroit, elle a rencontré beaucoup de personnes sans abri, et beaucoup de ces personnes étaient des adolescents et des adolescentes. C'est dramatique, mais c'est vrai. Des personnes qui, quand elle a parlé avec eux, on se rend compte que la plupart de ces adolescents
ont quitté leur foyer parce que dans leur foyer, ils n'ont pas trouvé dans leur foyer l'affection dont ils avaient besoin. Ils avaient l'impression qu'ils n'appartenaient pas, qu'ils n'étaient pas à leur place, donc ils sont partis. Ils avaient également la sensation de ne pas être aimés. Et quand on n'a pas d'amour, quand on n'a pas d'affection et qu'on a la sensation qu'on n'est pas là où on devrait être, on s'en va, même si on n'a nulle part où aller. Et quelque part, évidemment, le problème, évidemment, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? S'il y a des questions, je vais demander de lever le bras afin que je puisse voir monsieur ici. Hello, thank you very much for that film. It was very touching for me for a number of personal reasons. I noticed in the screenplay that a lot of people are lying to each other in different instances, and you know, they'll lie to people and they'll let themselves be lied to. I was just wondering if you had sort of were meditating on that a bit when you wrote it, and if you had anything to say about that. I think that's a really important theme of the film. I think the fact that in close intimate relationships, none of us really, a lot of the times, people lie to each other. And I think it was exploring the idea of, you know, who's really telling the truth and what is the truth? Because in the midst of all the lies, there was also a lot of truth. As they say, like, when you lie, you really say the truest truth about yourself. Oui, la question portait sur le scénario du film, sur l'histoire du film. Et ce monsieur nous dit qu'il a été très touché par le film. Et dans le film, il a l'impression que, donc dans cette histoire, les gens, finalement, tous les gens passent leur temps à se mentir les uns les autres. On a un peu l'impression que dans cette famille dysfonctionnelle, dans ces deux personnes qui quittent la jeune fille, tout le monde se ment et personne ne dit vraiment la vérité. En tout cas, à aucun moment. Et donc, peut-être, vous pouviez en parler un petit peu. Et Jacqueline nous dit que c'est vrai que c'est intéressant de constater que même dans des relations de personnes qui sont très proches les uns des autres, dans des couples, dans des familles, des personnes qui sont entre guillemets très proches les unes des autres, eh bien on se ment tout le temps. En tout cas, on met toujours un masque et on raconte toujours. Et c'est en fait le plus étonnant, le plus curieux dans cela, c'est que même dans les mensonges que l'on se dit les uns aux autres, eh bien à l'intérieur de ces mensonges, il y a toujours quelque chose qui vrit, une petite part de vérité, quelque chose qui est vrai autour duquel on brode et on ajoute plein d'éléments pour une raison qui échappe à beaucoup de gens et sans doute en premier aux personnes qui mentent. Donc oui, effectivement, c'était un thème qui lui tenait à cœur et qu'elle a voulu exprimer également dans son film. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions dans la salle? C'est le moment. Voilà, monsieur ici, t-shirt ou polo, vert, turquoise, petite barbe. Hello. First of all, thank you for this movie. It was a pleasure to discover it. I wanted to know what about this little moment with less tension, this little moment of funny gaze between the characters, especially the moment of the dinner. Was it something important to you for change the general aspect of tension which is around all the story? What about this little moment? Yeah, I mean, I think, thank you for that question. I think the way tension works, as I understand it, is a lot of the times the way to create it is to sort of like expand it and retract it. So thank you for noticing that. And I think I also wanted to explore the idea of what it would feel like to have, it's like she's arrived in a magical land. And it's almost not real for her. And so I wanted to sort of have that be the feel of that scene, and I'm glad it felt that way to you. Thank you. La question portait sur le fait que dans le film, la tension est parfois très 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 forte, et puis tout à coup, il y a des scènes, il y a des séquences un peu plus légères où la tension retombe, et parfois c'est même un peu drôle pendant quelques temps, et il y a comme ça des choses, des changements de rythme qui sont intéressants, savoir donc comment elle l'avait envisagé de son côté. Et elle nous dit qu'effectivement, en ce qui la concerne, c'est vrai qu'elle réalise bien souvent que, comme dans la vie de tous les jours d'ailleurs, il y a des moments de tension parfois extrêmes. Mais qu'il faut à un moment donné, on peut pas faire durer la tension en permanence, sinon c'est horrible. Donc on fait retomber la tension
avec, avec ce genre de séquence. Parce que pour elle, la tension, c'est un peu comme un élastique que l'on étend comme ça, c'est tendu, et puis après ça relâche, ça retombe, et ça fait comme ça, comme une espèce de vague qui parcourt tout le film, et qui narrativement et dramatiquement était intéressant à explorer. C'est également pour, quelque part, faire comprendre, en tout cas faire ressentir au spectateur que ce personnage, donc Cléo, elle est dans un monde qui paraît presque parfois irréel. Pour elle, elle comprend pas vraiment tout ce qui se passe autour d'elle, c'est presque comme un monde magique, un monde qui n'existe pas. En tout cas, il lui faut du temps pour vraiment comprendre ce qui se passe. Et le fait justement de passer de la tension au relâchement, au sens large du terme, c'était une manière pour elle d'y arriver. Nous allons prendre encore une question. Alors si vous avez une question à poser, c'est maintenant, car ce sera la dernière. Ici, troisième rang. Bonjour. Il y a beaucoup de... Non. Bonjour. Ça marche toujours pas. Ah si. Il y a beaucoup de personnages féminins dans ce film qui sont les personnages principaux et les plus importants. Et je voulais savoir si pour vous c'était un choix justement aujourd'hui d'avoir mis autant de personnages féminins dans votre film. Voilà. In your film, this lady said that there is a lot of female characters and they are actually the most important characters of the film. Of course, nowadays it cannot be random, so maybe you can explain us why was it a choice from your part? I think female characters are amazing and they're not explored enough. And of course I'm a woman and that's what I really know. But I think what was interesting for me about this film is that every single one of the characters in this film, even though they're all flawed, they're all powerful. And that was important for me. So thank you for noticing. Oui, Jacqueline nous dit que tous les personnages, tous les personnages féminins dans tous les films sont formidables quelque part, évidemment, parce qu'elles sont... Tous les personnages sont formidables, quoi qu'il arrive, mais les personnages féminins, on ne les voit pas assez, on ne les utilise pas assez. Et elle nous dit que dans son film, elle considère elle aussi que ces personnages féminins sont formidables, ou en tout cas ont tous quelque chose, une qualité qui leur est propre. Bien sûr, elle le sait elle-même, évidemment. Mais elle a la sensation que c'est vrai que bien souvent dans le cinéma américain, mais pas que, on n'utilise pas suffisamment ces qualités intrinsèques des personnages féminins, de les mettre en avant, de les faire parler, de les faire réagir. Et les femmes qui sont dans son livre, les femmes et les jeunes filles, ont toutes des défauts, bien sûr, mais en même temps, elles sont toutes incroyablement fortes. Et c'est ça aussi qui l'intéressait, de faire voir la force de ces personnages. Et effectivement, la majorité d'entre elles sont féminines. Cette conversation est maintenant terminée. Merci à tous. The conversation is now over. Merci d'être venu avec moi.